Et coucou les amis, vous avez vu hein, vous avez vu en, en, en préambule, euh, donc euh, alors, est-ce ma vidéo euh, de, de, de cet après-midi où euh, tout simplement tout était prévu J'ai eu énormément de MP suite à la vidéo, des, des MP de remerciements, euh, mais aussi euh, Sensei Adventure qui a répondu du coup, euh, donc du coup, euh, L'organisateur le, 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 bah, qui, qui a répondu du coup à, à un MP que j'ai envoyé un petit moment. Donc, qui s'excuse, etc., etc. Alors, qu'on soit bien d'accord. Euh, Aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle je, je, je fais cette vidéo, je ne sais pas encore si je veux me faire rembourser ou si je vais y aller. En tant que vrai fan euh, donc de Senseiya, je veux absolument y aller. Je veux faire découvrir ça à ma fille euh, qui a 11 ans. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup pour tous les MP que vous m'avez envoyés, les messages en, sur Facebook. J'essaierai d'y répondre à tous. Pour vous dire ben, que c'est normal euh, que quelqu'un s'en occupe, puisqu'en fait personne s'est occupé de cette histoire. Et il y avait des gens qui étaient complètement dans le désarroi le plus total. Alors je pèse mes mots dans le mot désarroi, mais on parle de personnes qui ont dépensé 200-300 euros pour des places. Et qui, euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc de ce que j'ai lu sur les réseaux, il y a des gens qui n'ont pas été en remboursés encore. Euh, donc de l'annulation euh, précédente. Bon, il va vraiment falloir remédier à ça, c'est-à-dire que les remboursements doivent se faire euh, si les gens décident de ne pas y aller. Et euh, effectivement, euh, ben, ceux qui veulent y aller, bien sûr, euh, bien sûr, je vais continuer les vidéos et à vous tenir informés euh, au fur et à mesure. Alors, bien sûr, les vidéos seront plus espacées, parce que là maintenant, ben, on a repoussé à mai 2022. Mais mai 2022, c'est dans, dans 8 mois, dans 9 mois... Euh, euh, c'est long, c'est long, il peut se passer énormément de choses. Euh, C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que. Imaginez, il se passe quoi que ce soit. Alors, on va faire quand même un petit, un petit mea pas sur quelque chose. Euh, on a une société qui a morflé. Euh, en termes euh, de, 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 bah, du Covid euh, et des salles fermées et ça j'en suis entièrement conscient. Voilà. J'ai des amis qui sont dans l'événementiel et je sais qu'ils ont vraiment galéré. Ce que j'admets pas par contre, c'est le manque de communication. Aujourd'hui on paye des places assez chères mine de rien euh, avec les voyages et tout ça. Hein, on sait qu'on s'en fout des gens qui font du voyage hein, bien, bien entendu mais, 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 mais il faut communiquer. Ce que je reproche aujourd'hui à, à celui qui a organisé ce concert, c'est qu'il y a eu un manque de communication. Euh, et c'est dommage parce qu'ils euh, m'ont l'air très sympathiques, ils veulent faire les choses bien. Je sais que le concepteur du concert, etc., enfin, voilà, essaye vraiment de faire un truc super avec des invités de, 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 de talent et, de, de, et reconnus. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais quel dommage Ça fait trois fois qu'il est reporté maintenant. Trois fois Et il faut mieux communiquer que ça, quoi. Aujourd'hui, même si on n'a pas la réponse, un petit message sur la votre page Facebook. Ça aurait été bien quand même. Hein? On, désolé, on, on comprend votre, votre, votre impatience, etc. Ça a été compliqué pour nous, etc. Maintenant, ils ont le droit de communiquer. Pas de souci. On est le 2 octobre. Le concert était le 30. 28 jours avant le concert. C'est short. C'est short pour tous ceux qui avaient organisé, qui avaient posé des jours de congé. Parce que... Il y a des gens qui posent des jours de congé. Je travaille le samedi, moi. Le samedi matin, je travaille. Donc j'ai dû poser des jours de congé. On va l'annuler. Ok. Mais en mai 2022. Je pense que ça a pris un petit coup dans l'aile. Honnêtement, il y a beaucoup de gens déçus. Euh, on va de toutes les manières. Rassurez-vous. La déception est là. Euh, mais quand on a envie de voir un concert comme ça, je pense que ben, les gens vont, vont mettre de côté la frustration. On peut mettre ça quand même sur le dos de ce, ce Covid quand même qui nous aura quand même vraiment cassé les pieds. Hein. 2020-2021, j'espère vraiment que c'est fini, que c'est derrière nous. Vraiment de, de tout cœur, j'espère que c'est terminé. Parce que franchement, bah là on est tous déçus quoi. On est tous déçus et on s'attendait tous une fête et on a fait des groupes avec des, des collègues pour se rencontrer là-bas, pour se voir, pour, pour se voir de, de visu, pour se voir en vrai. Parce qu'on est sur les communautés Senseia, bah souvent on se voit. Moi, vous me voyez parce que je monte ma tronne, mais, mais souvent on ne connaît pas le visage de l'autre ou que ça. Et là, c'était l'occasion de se voir, de discuter, euh, peut-être boire un coup, manger un bout après le concert ou avant, peu importe. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que la communication ait été comme ça. Maintenant, euh, restons positifs. Je vais vous tenir au courant euh, de la suite. Je vais essayer de me mettre en rapport avec les organisateurs. Vraiment pour essayer de, 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 de vous faire la meilleure communication possible. Euh, voilà. Et euh, je suis honnête avec vous. Je. je, je... Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je, je vais y réfléchir. Et je vais vraiment y réfléchir parce que ça m'embêterait réellement de ne pas y aller. Ça m'embêterait réellement de ne pas y aller. Et en même temps, je me dis, là, ça commence à faire beaucoup. Si la communication est désastreuse comme ça, euh, il faut vraiment que la communication soit meilleure que ça. Ça, c'est certain. Euh, et et c'est très important. Merci à tous pour vos messages, merci à tous, passez un très bon week-end. Euh, voilà, ma prochaine vidéo, donc, du coup, hein, ça va être une vidéo un peu... Euh, voilà, où j'avais fait un petit teasing sur, euh, sur Facebook. Euh, voilà, si elle est prête pour demain, elle sera demain, euh, ou dans la journée, ou je la mettrai en ligne dans la semaine pour vous faire quelque chose vraiment de qualité et qualitatif. Euh, voilà, et bien, écoutez, euh, je vous dis à très bientôt, c'est vie et j'espère que n'hésitez surtout pas à me mp ou à m'envoyer des messages sur... Euh, sur cette vidéo pour qu'on se tienne au courant au maximum et rendez-vous mai 2022 euh, voilà donc pour le moment on a la date mais on n'a pas les horaires encore voilà il faut que je regarde mai 2022 j'ai même pas regardé si c'était un samedi ou si c'était voilà euh, je pense que ça doit être un samedi hein, j'imagine euh, on, va, on, on va regarder ça et j'espère qu'on se retrouvera tous en mai 2022 si tout est maintenu si déjà il n'y a pas d'annulation c'est déjà pas mal ça aurait pu être annulé complètement euh, mais 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 quand il y a des reports comme ça successifs je suis quand même inquiet. Je reste inquiet. Voilà. Donc il faut vraiment qu'ils nous rassurent, les organisateurs du spectacle. Il faut vraiment qu'ils nous rassurent et qu'ils fassent une meilleure communication et qu'ils communiquent mieux, plus. Je ne veux pas une communication toutes les semaines, mais un tout petit peu plus. Voilà les amis, à très bientôt, Stylos Devi. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.